Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un joueur déjà inscrit dans la légende. Non, aujourd'hui, je veux vous parler d'un joueur dont le nom a commencé à briller cette année. Un joueur qui, en peu de temps, est devenu l'un des espoirs d'une région dans laquelle les talents émergents sont devenus une denrée rare. Ce joueur, âgé de seulement 19 ans, est l'ADC de l'équipe américaine FlyQuest, Fahad Abdulmalek. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vais essayer de vous faire monter à bord du train, Massou. Castle get in there, but he whiffs. The rest of FlyQuest now just have to play survival. It's 1400 HP on the Baron. Who's gonna There's get no it? Jungler. Immortals. Wait, was that Massou? How did Massou get the Baron? Over the wall. Fahad est né à Bagdad, au cœur de l'Irak. Et alors que la guerre dévastait leur pays, ses parents, tous deux médecins, mirent tout en œuvre dans l'objectif de protéger Massou et ses frères et sœurs de l'horreur, allant même jusqu'à leur cacher que leur père avait échappé de justesse à une tentative d'enlèvement liée à sa profession, leur disant simplement que celui-ci avait eu un accident. À cette époque, Massou n'avait que 2 mois, mais la guerre, elle, ne cessait de s'étendre. La situation devenant trop compliquée, ses parents prirent la décision de partir. Un choix entraînant de grands sacrifices. De nombreux membres de leur famille et de nombreux amis restant en Irak, confrontés à la guerre chaque jour. He was just 2 months old at that time. It wasn't safe anymore to stay, especially for the kids. I decided to go and to take my kids, my wife, to a better life. Ils s'exilèrent à Toronto, impliquant alors un nouveau départ. Et en grandissant, Massou se tourne vers les sciences de la vie à l'université. Ses parents, eux, espéraient qu'il marcherait sur leurs traces et suivrait une carrière dans le domaine médical. Mais une opportunité allait contrecarrer leurs plans. En effet, Fahad m'a confié qu'au départ, il envisageait une carrière en psychiatrie, les sciences du comportement et les neurosciences l'ayant toujours fasciné. Ses parents, quant à eux, élevés dans des familles traditionnelles du Moyen-Orient, accordent une grande importance à l'éducation et à la sécurité de l'avenir de leurs enfants. Et leur expérience de la guerre, de l'incertitude dans leur vie quotidienne, les poussait à espérer une voie plus conventionnelle pour leur fils. Mais malgré leurs appréhensions, et après un échange avec son père, ce dernier, touché par la passion qui brillait dans le regard de son fils, lui donna l'accord de suivre son cœur. I saw that passion and love in his eyes when he's talking about League of Legends. For sure, I was zero knowledge. I have no background. What's the meaning of League of Legends? Et c'est ainsi qu'après avoir tout juste débuté son premier semestre universitaire, Massou, qui avait reçu une opportunité qui ne se présenterait probablement jamais, accepta l'offre de FlyQuest Academy. Fahad, sachant qu'il pourrait toujours reprendre ses études plus tard, faisant le choix de se lancer dans le monde de l'e-sport. I feel like I have to push myself forward whenever I make a goal. Just because whenever I remember how much was sacrificed for me to even have the opportunity, it would feel like a slap in the face to half-ass my effort. Été 2022, le joueur fait ses premiers pas sur League of Legends avec l'équipe amateur Team Pending. Ensemble, ils intègrent la division amateur des LCS. Cependant, bien que l'aventure de Team Pending ne dure qu'un an, Massou n'en est quant à lui qu'au tout début de son parcours. FlyQuest sera l'équipe qui donnera sa chance au joueur. Leur équipe académique, reconnaissant son potentiel, lui tend alors la main. Et Massou décide de saisir cette opportunité. Aux côtés de Philippe, Yuji, Spirax et Winsome, il débute sa carrière professionnelle. Ensemble, ils progressent sur le jeu. Chaque semaine, leur cohésion et leur niveau de jeu se développent. Cependant, malgré des progrès notables, l'équipe n'est pas encore assez solide pour rivaliser avec les meilleures équipes de la North American Challengers League. Et il se contente alors d'une 5e place au printemps. Mais Massou ne baisse pas les bras, il continue d'apprendre au sein de l'académie. Et durant l'été, ses efforts portent leurs fruits. Accompagné de ses coéquipiers, il réalise une performance solide, se classant à la 2e place de la phase de groupe. Malheureusement, en play-off, l'équipe académique Devil Geniuses met un terme à leurs ambitions. Toutefois, cette défaite n'entache en rien les prouesses de Massou, et celui-ci est couronné meilleur espoir du split d'été 2023 de la NACL. Un titre prometteur et annonçant de grandes choses pour le joueur. En 2023, Massou voit son contrat prolongé jusqu'en novembre 2024, preuve de la confiance que FlyQuest place en lui. Oh
almost lands the root onto Spawn, but he will sidestep. And now the re-engage. They're back in onto Spyrax, trying to take down the Nico. They got him! Nico down. Teleport flank coming in, but Masu's popping off. He's gotten a double kill already. Lasia has not done enough damage. Will only claim Yuji, but Faisal's joined in on the fight now. Triple kill to Masu. Quadra kill to Masu. He wants it. He's going for it. He's got a red. He wants it. Masu with one more auto. Penta kill. Oh, God. What a way to put an end in this game, right? Masu standing tall through that whole thing, fighting every single member. We said the play was going to be coming around the barrel. Après seulement une année au sein du roster académique, la carrière de Masu prend un nouveau tournant. À la fin de novembre 2023, il fait son entrée dans le roster principal de FlyQuest, suite à un split d'été compliqué pour l'équipe. Il rejoint ainsi des joueurs de renom tels que Bouipou, ancien top laner européen, Inspired au rôle de jungler, et le support Bouzio, qui ont tous auparavant évolué dans les plus grandes équipes américaines, Team Liquid, Evil Geniuses et 100 Thieves. À leur côté, Masu retrouvera également Jensen, le midlaner de Dignitas. I had a lot of thoughts about it. At first, I'm like, it's good because I can instantly get experience in the higher league and just see how much different it is than academy. And then my other part was like, kind of the imposter syndrome part or whatever. It's like, am I ready for it? Like, do I have what it takes and stuff like that. Mais derrière ce nouveau départ se cache un mal du pays. Pour la première fois, Fahad quitte sa famille et il se retrouve alors seul face à ce nouveau challenge. Mais avec le temps, Masu parvient à trouver un équilibre, s'habituant à cette situation et appelant sa famille tous les jours. Viennent alors les premiers LCS du joueur, et là, il n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour faire parler de lui. Dès ses premières apparitions, il dépasse les attentes qui étaient sur lui. Bien que lors de la finale des LCS, FlyQuest tombe face à Team Liquid, FlyQuest devant se contenter d'une deuxième place. Masu eut tout de même le temps de laisser sa marque lors du match contre 100 Thieves, livrant une grosse performance sur Varus, finissant avec un score de 6-1-7 et décrochant son tout premier titre de MVP. Yes, a Western team will beat an Eastern team in a best of five, but I definitely think it can happen. I think the chance is like not that low, especially for some teams. Grâce à cette seconde place, Fahad s'apprête à découvrir la scène internationale lors des MSI de 2024. Mais les rêves de gloire sont rapidement stoppés face à T1, puis PSG Talon, FlyQuest ne parvenant pas à se qualifier pour la phase de play-in. Masu n'ayant alors pas l'opportunité de prouver son potentiel sur la scène mondiale. Masu, running for his life now. He might just escape. Gets into that. Oh, he's gonna back there. The wave too far away and it's already pushed up. Betty looking for him. Great play for Masu. And he still hasn't burned the flash. He still hasn't burned the flash. Masu, a veritable Houdini here. Even though he's the youngest player on our team, he understands what it takes to carry a team. And he really wants to push himself to get to that level because I think if you're a rookie and you're young, you can easily just feel like, I'll wait until my team carries me or try not to take risks. Masu's not afraid of taking risks and he takes responsibility fully. Mais durant l'été, quelques ajustements dans l'équipe sont faits et le midlaner Quad prend la place de Jensen. FlyQuest prend alors sa revanche. Ils écrasent Team Liquid et Cloud9, puis s'imposent devenant les champions du Summer Split. Masu étant désormais couronné champion de LCS. Mais ça ne s'arrête pas là, ce dernier étant également nommé rookie de l'année des LCS, témoignant alors sa progression fulgurante. Avec ce premier titre régional en poche, un rêve encore plus grand se profile à l'horizon, les Worlds. FlyQuest se qualifiant alors en tant que première tête de série pour les championnats du monde de 2024. 他其实是没办法发挥的，而且还有这个草丛让 FlyQuest 可以轻松点这个主堡的双塔，最后无敌受不了想 Q闪去开， 但是马索反应过来了，就回到这虚空探索者导弹侠提刀，直接爆死对方的中路跟辅助，马索再抽到对方的后排身上，镜也被击杀掉，马索准备再拿一个击杀，这是凯撒跨抓 Q 再拿一遍， 44分钟的时间 FlyQuest 只把比赛准备要击破 PSG 来到二胜一败组别。 Chaque année, à l'occasion des Worlds, un morceau officiel est créé, accompagné d'un clip immortalisant des moments historiques de l'e-sport, et parsemé d'easter eggs pour les plus passionnés. En 2024, c'est Linkin Park qui sort Eevee is a Clone. Et dedans, un joueur américain y est illustré, Masu. I think that's me, but I'm blind. I'm super blind, so I barely saw that. Au début, il n'en croyait pas ses yeux. Était-ce vraiment lui sur l'écran, dans la peau de Varus?
mais un détail était présent dans la scène où il était illustré. Un collier, une pièce de 10 cents irakienne, symbole de ses origines, offerte par son oncle. Masu, un joueur encore jeune, était déjà projeté dans le cœur de l'histoire de l'e-sport international. Et à travers ce clin d'œil, Riot Games le propulsait sous les feux des projecteurs dès ses débuts. Un honneur. Quand on lui a demandé qui étaient ses idoles à la botlane, Masu cita des noms de légendes tels que Ruler, Elk, Gumayusi. Mais son admiration ne s'arrêtait pas à ses joueurs. Pad trouvant également son inspiration dans des botlanes provenant de G2 ou encore Weibo Gaming. Especially because I'm a huge Viper fan as well, so it affected me a little bit, but not enough to where my play was like excused, I guess. Et lors des Worlds, il se retrouva à affronter l'un des joueurs qu'il avait le plus observé, Viper. Et lors des Swiss, FlyQuest sut mettre Hanwha Life Esports, l'équipe coréenne de Viper, au défi. Bien que la victoire leur échappa, l'équipe américaine avait réussi un exploit. Faire trembler des géants coréens grâce à des pics audacieux et grâce à leur détermination. Après avoir dû éliminer leur sœur américaine Team Liquid, FlyQuest s'avance vers les quarts de finale en tant que dernier espoir de l'Amérique du Nord. Et à la surprise de tous, ils prennent la première game contre Genji, les grands favoris. Un exploit en soi. Mais ce n'était que le début d'un BO qui allait marquer les annales. Un affrontement intense où FlyQuest résiste, se bat et surprend. Mais finalement, perd face aux géants de Corée, mais pas sans honneur. Décrochant deux games bien plus que ce que le monde attendait d'eux. Laissant alors leur marque dans l'histoire des Worlds de 2024. Et Masu dans tout ça? Il brille sur H 605, sur Kaisa 1108, et à travers ses performances lors du BO, il a offert un aperçu de ce qu'il pouvait devenir. Alors que l'objectif initial du joueur était avant tout de prouver qu'il avait fait le bon choix, la pression était immense, les sacrifices de ses parents, leur soutien inconditionnel. Il voulait leur prouver qu'ils méritaient leur confiance. Chaque match, chaque victoire était un hommage à tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Et sa famille lui rendait en le soutenant à chaque BO, chaque game. Bien que FlyQuest n'ait pas décroché le titre international, Masu avait prouvé qu'il méritait sa place, et plus encore. Ces Worlds lui permettaient petit à petit de balayer le syndrome de l'imposteur qui le pourrissait depuis ses débuts. Ses victoires face à Genji et HLE avaient renforcé sa confiance, lui montrant qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands. Le stress qui pesait sur lui lors des matchs décisifs se dissipait. They continue retreating. Inspired went back to the base to heal, but now Masu's got to be careful. There's your use of that cleanse from the Mikhails. As again, Genji continue the chase, but Masu's unstoppable. Lehens went in too far. Zap shoots out of the wall, and Key's got to be careful. So much pressure, but it's not enough. Masu cuts them down. Oh, ye of little faith. Believe in Masu and the AD carry. Jovi still trying to escape. He dashes back over the wall. Bien que cette année ait permis à Masu de renforcer sa confiance et de se faire remarquer sur la scène internationale, il lui arrive encore de traverser des phases où il se sent moins sûr de lui, moins performant. Mais malgré le fait qu'il soit un jeune joueur en pleine ascension, il a su garder la tête froide et afficher des performances constantes. When I'm really on point, I feel like I'm really good at the game, but then when I'm inconsistent, I feel like I'm not so good at the game. So if I can find where those inconsistencies stem from, and if I could keep like growing as a player and learning from my team, from other players, then I think I can reach that ceiling. Son ascension fulgurante, remporter la LCS, participer à son premier MSI, s'attaquer aux Worlds dès sa première année, en l'espace de quelques mois, reste un exploit. Et FaD est le premier étonné de la rapidité de son parcours. Le joueur pensant qu'il devait travailler pendant des années pour atteindre de tels résultats. Aujourd'hui, il est fier de son équipe et de sa progression. Courant 2024, le contrat du joueur est prolongé jusqu'à novembre 2025. Une preuve de la confiance de son équipe.
et l'année prochaine, un nouveau chapitre s'ouvre. La Ligue nord-américaine évolue et Masu s'apprête à rejoindre alors la LTA North. Et à mon humble avis de Stuck Gold, il fait partie de ces talents émergents sur lesquels il faut garder un œil. Masu est un joueur exigeant envers lui-même et il veut toujours prouver davantage, non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille. Chaque match est pour lui l'occasion de leur rendre tout ce qu'ils lui ont donné. Fahad sait qu'il n'a pas encore tout montré et il ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Alors va-t-il permettre de donner un souffle nouveau en Amérique du Nord ? Région manquant encore de figures emblématiques capables d'inspirer la nouvelle génération de joueurs américains. Cette année, FlyQuest a prouvé que l'Amérique du Nord peut rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Masu, quant à lui, a montré qu'il n'était pas seulement capable de se mesurer au plus grand, mais qu'il pouvait aussi, à sa manière, faire briller son équipe. L'histoire de Masu ne fait que commencer, et si les Worlds 2024 n'ont pas été couronnés de succès pour FlyQuest, il n'y a aucun doute. Les leçons tirées de l'échec lors des Worlds ne seront pas oubliées. Ce jeune talent, porteur des espoirs d'une région entière, est prêt à débuter sa nouvelle année. C'est juste, no matter what I do, just make sure that my parents didn't do and go through everything they have went through for nothing. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi en commentaire vos impressions sur FlyQuest et sur Masu de manière plus générale. Oui! Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter, ce serait super. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!